On a souvent la question, c'est quoi du kimchi? Ou alors, comment ça se mange du kimchi? Donc, cette petite vidéo-là va tout vous démystifier. Premièrement, le kimchi, c'est originaire de Corée. Et c'est vieux de plusieurs milliers d'années. En fait, à l'origine, c'était tout simplement une conservation de légumes faite par des agriculteurs. Et en fonction d'où ils étaient en Corée, les recettes variaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des centaines et centaines de sortes de kimchi. Donc, proche de la mer, on a du poisson à l'intérieur, des fois des crevettes à l'intérieur, de la sauce de poisson. Et dans les terres, c'est d'autres recettes. C'est tellement présent dans la culture coréenne que l'UNESCO a reconnu le kimchi comme un patrimoine mondial de l'humanité au niveau culturel. Le kimchi, il a quelque chose de vraiment spécial. Si vous vous demandez c'est quoi concrètement du kimchi, si vous connaissez la choucroute, dites-vous bien que c'est un peu comme une choucroute épicée. Il y a des ingrédients de base dans le kimchi. Le chou chinois, mais aussi ce daikon qui est une sorte de radis blanc, le grand radis blanc. Ainsi qu'il y a du gingembre, il y a du piment et de l'ail. Et après, il y a pas mal de sortes d'ingrédients. Mais ça, c'est la version traditionnelle. Elle a souvent ces ingrédients-là, mais vous pouvez le faire avec d'autres sortes de piments, avec d'autres sortes de choux. Vraiment, c'est ça qui est le fun. Donc là, on a un kimchi peut-être plus traditionnel. Ça ressemble à ça. Mais vous pourriez avoir un kimchi fait de choux verts ou avec du miso à la place de la sauce de poisson ou alors avec des algues à l'intérieur. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Ce que les gens aiment beaucoup, c'est son côté un petit peu addictif. En tout cas, il y a plein de gens qui, une fois qu'ils ont goûté à du kimchi, ils ne peuvent plus s'en passer. Et donc, la question que vous posez peut-être, c'est « Ouais, mais ça se mange comment ?» ceux qui aiment beaucoup le kimchi, qui sont habitués au kimchi, ils vous diront peut-être tu manges ça à n'importe quel repas. Les premières fois où vous goûtez du kimchi, l'incorporez petit à petit dans une salade, tout simplement. Une soupe ou des toasts ou un grilled cheese. Toutes les raisons sont bonnes pour manger du kimchi. C'est un peu comme toutes les autres fermentations, c'est comme un rehausseur de saveur. Tout type de plat peut avoir du kimchi à l'intérieur. Mais les petits assemblages qui sont vraiment bons, souvent, vu que le kimchi est acide, un petit peu piquant, souvent, avoir un plat qui est un petit peu gras, en tout cas, l'acide et le gras en bouche, ça va très très bien ensemble. Si vous vous posez les questions par rapport aux bénéfices santé, c'est comme toutes les lactofermentations, les fermentations de légumes, c'est bourré de probiotiques. C'est bactéries bénéfiques pour la santé, surtout pour le système digestif. C'est certain que ça sera beaucoup mieux de ne pas le chauffer, parce que vous perdriez les probiotiques. Ça sera toujours très très digeste, très très bon à la santé, mais il y aura moins de micro-organismes bénéfiques. Essayez un petit peu, juste un petit peu de temps en temps, dans un plat, et vous allez voir que petit à petit, vous allez en mettre partout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, je suis pas mal content de manger du kimchi. N'hésitez pas à poser des commentaires, liker cette vidéo et partagez-la à vos amis. Bonne fermentation et bon kimchi.